céleste, une étoile dans la nuit. L'atmosphère est chaleureuse dans la boîte silencieuse. Dans une obscurité totale, blotties les unes contre les autres, les allumettes vivent heureuses. Pourtant, Céleste souffre. Elle brûle d'envie de s'en aller. Prisonnière de ce plafond brumeux, elle s'imagine des lendemains lumineux. Elle offre un instant de chaleur à un mendiant et savoure de tout son cœur ce moment de bonheur. Elle éclaire un naufragé, ainsi le navigateur sera retrouvé sain et sauf. Ses amis la raisonnent. Il est exceptionnel de sauver des vies humaines et rares, sont celles qui illuminent l'arbre de Noël. Certaines sont cassées, piétinées, déchiquetées, sans même avoir flambé. Confiante, Céleste attend patiemment que sa bonne étoile se mette à scintiller. Tel un diamant ou une star de cinéma, elle aimerait briller pour l'éternité. Un soir, une vive lumière réveille la boîte endormie. Une allumette est attrapée. À peine le jour s'est fait nuit, qu'à nouveau il rejaillit. Une autre allumette se voit à son tour saisie. Céleste reste bouche bée d'avoir vu ainsi ses amis s'envoler. Et soudain, en un éclair, Céleste atteint des hauteurs spectaculaires. La peur de l'extérieur se mêle à une immense joie. Éblouie, Céleste distingue une petite fille vêtue de guenilles. Les petits doigts de la fillette, engourdis par le froid, s'agitent et Céleste s'enflamme. La merveilleuse aventure commence alors. Tels des primevères dorés sur un chemin printanier, des bougies colorées ornent les branches d'un arbre magnifique. Le sapin resplendit de mille feux et Céleste se laisse transporter dans ce théâtre délicieux. Bientôt, dans une extrême douceur, les bougies se dissipent, le sapin disparaît et, paisiblement, Céleste s'endort dans un nuage blanc pour rejoindre les étoiles. Depuis, Céleste a épousé le temps et illumine les pages des livres qui comptent encore et encore l'histoire d'une petite fille aux allumettes.